Dépêche-toi, tu n'as plus que 5 secondes pour liker cette vidéo, sinon tu ne pourras jamais monter tes niveaux hyper rapidement grâce à cette vidéo. À ta place, je prendrai vraiment pas le risque. Aussi, juste avant de commencer la vidéo les gars, pour toutes les personnes qui veulent me soutenir dans la boutique Fortnite, il n'y a vraiment rien plus simple. Il suffira juste tout simplement d'aller dans la boutique d'objets sur le jeu, d'aller en bas soutenir un créateur et de mettre le code créateur WAIKS-du-bas. W-A-I-K-S et tiré du bas. C'est totalement gratuit et ça m'aide vraiment beaucoup. Merci à toutes les personnes qui le font. Et en plus, j'ajoute toutes les personnes qui mettent mon code créateur sur le jeu. Vous n'hésitez surtout pas. Et moi, je t'avoue souhaiter une bonne vidéo à tous. Salut à tous et à toutes les amis, c'est WAIKS. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo très spéciale parce que, comme d'habitude, j'ai plein d'informations. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, les potes, parce qu'en termes d'informations, on est au top du top. En tous les cas, si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, je suis une chaîne d'information Fortnite, donc si tu ne veux rien louper, que ce soit des informations à l'avance sur le jeu et plein d'autres choses, et ben je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. En même temps, je vous mets directement tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne YouTube récemment. Bienvenue à vous. Voilà, si tu veux passer dans la prochaine vidéo en tant que nouvel abonné, abonne-toi à la chaîne et peut-être que tu passeras dans la prochaine vidéo en tant que nouvel abonné. Et surtout les potes, qu'est-ce qu'on fait avant de commencer la vidéo? Voilà, j'ai même plus besoin de le répéter. On met un petit pouce bleu, 1000 likes sur une vidéo est égal 1000 V-Bucks que je vais offrir à un abonné dans l'espace commentaire. Vous le savez maintenant. Aussi, une dernière petite chose, après j'arrête de vous embêter, c'est promis. N'hésitez surtout pas à mettre mon code créateur sur le jeu, c'est 100% gratuit. Comment on met un code créateur sur le jeu? Il y a vraiment rien de plus simple. Tout simplement, vous allez dans boutique d'objets sur Fortnite Battle Royale. Vous allez en bas à droite soutenir un créateur et vous rentrez le code créateur WAIKS-du-bas. W-A-I-K-S et tiré du bas. Et vous acceptez. Et voilà, vous me soutenez dans la boutique Fortnite. C'est 100% gratuit, merci à toutes les personnes qui le font, genre vraiment merci. Bon, qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo les potes? Comme je vous l'ai dit, j'ai énormément d'informations, je vous ai pas menti. Déjà de 1, on va parler que certains joueurs PS4 peuvent déjà acheter 200 V-Bucks sur le jeu. Oui, on va pouvoir acheter 200 V-Bucks sur le jeu très bientôt, j'en dis pas plus. Ensuite, on va parler que tout simplement, on aura très bientôt un nouveau skin papillon sur le jeu. Le skin papillon de Julie. Oui, on a le planeur papillon de Julie. Et bah là, on va l'avoir en skin, j'en dis pas plus. Ensuite, on va parler que tous ceux qui ont joué au pass de combat chapitre 1, en tout cas qu'ils ont joué au chapitre 1, vont pouvoir récupérer de nouvelles récompenses gratuites, j'en dis pas plus. Et pour terminer, on parlera de la nouvelle méthode pour gagner de l'XP hyper rapidement. Oui, c'est pas une blague, c'est une nouvelle méthode qui vient d'apparaître aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les potes, parce qu'en termes d'informations comme d'habitude, et ben on est au top du top. Bon, on part directement pour la première information. On va parler que certains joueurs PS4 peuvent retrouver une offre pour acheter 200 V-Bucks. Alors pour toutes les personnes qui ne le savent pas ou qui sont nouveaux etc, on aura une nouvelle fonctionnalité très bientôt sur Fortnite où on va pouvoir acheter son propre nombre de V-Bucks. Voilà, si par exemple ton skin est à 1500 V-Bucks et t'as plus que 100 V-Bucks à avoir, comme t'as 1400 V-Bucks, bah t'auras plus besoin d'acheter 10€ V-Bucks directement ou n'importe quel nombre que tu veux. Si t'as envie d'acheter 600 V-Bucks, tu pourras acheter 600 V-Bucks. Si t'as envie d'acheter 1000 V-Bucks, tu pourras l'acheter. Si t'as envie d'acheter 3680 V-Bucks, tu pourras l'acheter. Et ben tout simplement, c'est déjà disponible apparemment pour certains joueurs PS4. Certains joueurs PS4 peuvent déjà acheter 200 V-Bucks. Je vous le mets directement à l'écran. Voilà, c'est quand même plutôt raisonnable, on va pas se mentir. 200 V-Bucks pour 2€. Bah, c'est raisonnable, c'est sympa. Voilà, maintenant, il n'y a plus besoin d'acheter 10€ de V-Bucks directement pour acheter quelque chose. Tu pourras acheter ton propre nombre de V-Bucks. Si seulement tu as envie d'acheter 200 V-Bucks, 500 V-Bucks, tu pourras l'acheter et ça, c'est super cool. En tout cas, j'attends vraiment de voir votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que vous trouvez ça... Est-ce que vous trouvez ça plutôt cool? Est-ce que vous trouvez ça nul? Est-ce que vous trouvez ça trop bien, etc. Vous me dites tout ça dans l'espace commentaire de votre avis et on part directement pour la deuxième chose. Bon, on part directement pour la deuxième chose, les potes, tout simplement. Voilà, vous connaissez tous le planeur de Julie. Je vous le mets directement à l'écran. Tout simplement, c'est ce planeur, c'est un peu le papillon, le hibou, enfin bref, tu prends ça comme tu veux de Julie, qui est quand même plutôt pas mal, le planeur, on va pas se mentir. Et ben tout simplement, un joueur a proposé une idée à Fortnite Battle Royale, c'est de pourquoi pas d'avoir prochainement dans la boutique Fortnite son skin. On perd pas piste tant que ça, je vous le mets directement à l'écran. Tout simplement, voilà, on a déjà le planeur, et ben pourquoi pas d'avoir le skin. On va pas se mentir, le skin est quand même plutôt badass, plutôt stylé. Son prix serait de 2000 V-Bucks, donc 20€ de V-Bucks, c'est quand même pas donné à tout le monde, mais voilà, c'est quand même plutôt stylé. Pour l'instant, comme toujours, c'est un concept, donc du coup,
Rien d'officiel, mais pourquoi je vous le montre? Parce que tout simplement, pas mal de joueurs réclament à Fortnite de le rajouter en tant que skin depuis le tout début de la saison. Donc du coup, on peut réellement s'attendre en fin de saison ou dans une autre prochaine saison, etc., d'avoir le planeur de Julie, mais là, en tant que skin dans la boutique Fortnite. En tout cas, s'il arrive dans la boutique Fortnite, est-ce que vous allez l'acheter ou non? Son prix sera de 2000 V-Bucks. Vous me dites encore une fois tout ça dans l'espace commentaire et on part directement pour la troisième chose. Bon, on part directement pour la troisième chose, pas tout simplement, on va parler que toutes les personnes qui ont joué au chapitre 1 de Fortnite Battle Royale vont pouvoir récupérer une récompense gratuite. Alors oui, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais on a beaucoup plus d'informations là-dessus et je vous réserve une vidéo complète là-dessus. Mais en tout cas, on va un peu en parler dans cette vidéo. Tout simplement les potes, il y a une très grosse rumeur en ce moment que tous ceux qui ont acheté au moins un seul pass de combat au chapitre 1, vous allez pouvoir récupérer une récompense gratuite. Quelle est cette récompense? On perd pas plus tant que ça, je vous les mets directement à l'écran. Tout simplement, c'est la pioche du chapitre 1 plus le planeur du chapitre 1. Alors voilà, je préfère être franc avec vous, tout ce que je vous dis là n'est qu'une rumeur. Je ne peux pas savoir si elle est vraie ou elle est fausse, mais en tout cas, vous êtes au courant. Ce que je vais vous dire là avec la récompense du chapitre 1, c'est qu'une rumeur, rien d'officiel. Du coup les potes, tous ceux qui ont acheté au moins un seul pass de combat sur leur compte Fortnite du chapitre 1, vous allez pouvoir récupérer la pioche du chapitre 1 plus le planeur du chapitre 1. Pour l'instant, on ne peut pas encore vérifier si elle est vraie ou elle est fausse. Dans la dernière saison, il y avait beaucoup de rumeurs là-dessus. Mais en tout cas, dans cette saison actuelle, dans la saison 3, c'est en train de se confirmer petit à petit. Du coup les potes, prenez ça avec des pincettes, mais peut-être dans une prochaine mise à jour, très bientôt sur le jeu, vous allez pouvoir récupérer la pioche du chapitre 1 plus le planeur du chapitre 1, et ça c'est plutôt cool. En tout cas, pour toutes les personnes qui se demandent encore comment on va pouvoir les récupérer, bah rien de plus simple, il va falloir juste au moins avoir acheté un seul pass du combat du chapitre 1. En tout cas, c'est qu'une rumeur, ça reste à confirmer, et voilà. Vous me dites tout ça dans l'espace commentaire comme d'habitude, et on part directement pour le sujet principal de cette vidéo, et croyez-moi, c'est quand même énorme. Bon, on part directement pour le vrai sujet principal de cette vidéo, et on va parler de la toute nouvelle manière pour gagner de l'expérience à l'infini. Restez bien jusqu'à la fin. Ce n'est ni un glitch, ni un bug, va falloir le faire tout simplement. C'est une toute nouvelle manière pour gagner de l'expérience et je vous promets pas à 100% que dans chaque partie, vous allez gagner un maximum d'XP. Ça va surtout se jouer sur la chance. Alors quelle est cette toute nouvelle manière pour gagner de l'expérience? Déjà, tout simplement, déjà de 1, faudra aller à Misty. Voilà, Misty, c'est cette ville pour toutes les personnes qui ne connaissent pas. Vous devrez prendre toutes les armes grises que vous avez dans la ville. Donc du coup, s'il y a tout le monde dans la ville, bah ça va être chiant. Tout simplement, on va falloir prendre toutes des armes grises dans votre inventaire, comme sur l'image que je vous mets directement à l'écran, de faire un gros tas. En gros, vous devez récupérer toutes les armes grises de la ville et de faire un gros tas à côté de la table de craft. Et tout simplement, après qu'il n'y a plus d'armes grises à Misty, tout simplement vous les améliorez en vert et vous allez gagner pas mal d'expérience comme je vous mets directement à l'écran. Voilà, c'est vraiment une petite manière pour gagner de l'expérience à l'infini. C'est pas fou, c'est pas folichon, mais au moins c'est une nouvelle manière. Ce n'est ni un glitch, ce n'est ni un bug, donc du coup c'est totalement legit. Et vous n'avez pas de risque de vous faire ban. Voilà les potes, ça vous fait plus de 15 000 expériences entre guillemets si vous avez de la chance à chaque partie. Imaginez, vous faites ça tous les jours dans chaque partie, vous pouvez gagner plus de 30 à 40 niveaux par jour et c'est juste énormissime. En tout cas, j'attends vraiment de voir votre avis dans l'espace commentaire pour ce nouveau, plutôt cette nouvelle manière pour gagner de l'expérience totalement legit. Est-ce que vous trouvez ça rentable? Est-ce que vous trouvez pas ça rentable, etc.? Vous me dites tous dans l'espace commentaire, mais en tout cas, on va pas se mentir, une toute nouvelle manière pour gagner de l'expérience, c'est quand même plutôt cool. Voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, je suis une chaîne d'information Fortnite, donc si tu ne veux rien louper, que ce soit des informations à l'avance sur le jeu et plein d'autres choses, et ben je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Surtout, n'oublie pas le petit pouce bleu et de mettre mon code créateur. Merci à toutes les personnes qui le mettent. En tous les cas, je dois vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée les potes. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.